Du son, trop de son. De retour dans Il est pas shiny. Merci à tous d'être avec nous. Deuxième partie de l'émission et une partie évidemment remplie d'actualité. La to-do list. Alors, on va faire la to-do list. Qu'est-ce qu'on avait fait sur la to-do list? Donc, c'est bon. Japan Expo, c'est fait. Louise en interview, elle est juste à côté. Elle est en train de se maquiller, de se préparer, de se coiffer. Elle sera bientôt là. Nos équipes l'ont bien entendu pomponné. Le Stropole féminin, c'est fait. On va faire un point sur le Stropole féminin. Je pense que c'est important. Sachez que 11% eh bien, de filles regardent actuellement Il est pas shiny. Et 33% de autres. Hein. C'est chaud ma vie. Hein. C'est chaud ma vie. 33% de autres. Mais qui êtes-vous? Mais faites-nous signe. Je vois énormément de chiens regarder Il est pas shiny. Des hamsters. Des rongeurs dont je n'avais même pas idée que ça puisse exister. Bah regardez, en plus ça remplit le hashtag les pas shiny. Là, un écureuil maintenant, un British Bulldog. Ah, c'est horrible. Trop d'animaux sont en train de regarder les pas shiny. Alors, suis-je plus excitant pour les animaux que pour les demoiselles? La question est posée et fera l'objet d'un autre Stropole, je pense. En tout cas, ça c'est fait. Wimbledon, je n'ai toujours pas trouvé le site. Et on va parler Amibal. Donc, je vais retrouver un mélo fait. Attendez. En plus, je me suis raté. Je vais devoir faire un switch con. Complètement débile. Puisque, bien entendu, je n'ai absolument pas le bon Pokémon pour aller chasser. Impeccable. Nickel. Ouais. C'est bon, donc il n'est pas shiny, tout va bien, ne paniquez pas derrière votre écran, absolument aucun shiny n'a été trouvé dans cette émission, qu'est-ce que c'est que cette image horrible? C'est trop stylé. Mademoiselle, mesdemoiselles, s'il vous plaît, rhabillez-vous. Oui, pourquoi je disais ça? Oui, parce que Amiibo, voilà, Amiibo, donc, je viens de recevoir l'Amiibo. Oui, il y a le Stropole, on s'en fout, de toute façon, vous savez qu'il est pas shiny. Ne vous en faites pas. Mettre le Stropole là. Comme ça, il ne dérangera absolument personne. Parfait. Oui, donc, vous le savez, j'ai envoyé donc un de mes Amphinobi Amiibo à Matt Dudis pour que ce dernier y applique la transformation qu'il a appliquée à son propre Pokémon. Le retour, eh bien, s'est fait durant la Japan Expo et voici ce que ça donne. Voici ce que ça donne. Morampoule a vraiment pris vie grâce à la nouvelle peinture qui lui a été appliquée. Comme vous pouvez le voir, la shinification du Pokémon est parfaite. Ça s'est fait sans PKX, juste avec un peu de peinture et du vernis. Et le résultat est tout simplement somptueux. C'est très réussi. Je ne sais pas si vous avez une vision un peu meilleure que moi, mais on dirait le vrai Morampoule. Hein. Regardez, je vais envoyer le vrai Morampoule. Enfin, la vraie Morampoule. Ça rappelle que Morampoule est une demoiselle. Signifie pas que les demoiselles ont plus tendance à mourir en poule. Mais regardez ça, hein. Il a brillé, c'est le même. On a le même Pokéfion. Je le mets à côté. Je me grossis. Et vous allez voir, c'est pareil. Hein. On arrive au même genre de truc. Hein. Où est-il? Mort en poule. Voilà, regardez. La caméra va se fixer. Et on a vraiment mort en poule. Hein. C'est ouf. Hein. L'illusion est parfaite. Regardez ça. Il est là. Il est de côté. Oh là là, c'est fou. Hein. Cette technologie. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à Matt Dudis pour cette customisation. Morampoule a d'ailleurs, j'ai renommé dans Smash Bros. Avec la couleur qui ressemblait plus à la couleur shiny. Et eh bien, il m'accompagnera ici. Je vous assure qu'en fait, c'est limite si la peinture ne gomme pas hein, les défauts de l'amiibo de base. Donc c'est assez intéressant. Et en tout cas, ça fait vraiment plaisir de voir ce qu'on peut réaliser avec des amiibo. Voilà. C'était l'amiibo Morampoule
la présentation officielle de l'amiibo mort en poule. En espérant qu'on puisse faire d'autres customs. Il y a Mewtwo qui arrive bientôt. Je pense que j'essaierai de récupérer l'amiibo Mewtwo. Même si ça doit encore me coûter une testicule. Ça coûte très cher, évidemment, les amiibo, vous le savez. Ça coûte excessivement cher, les amiibo. Voire même beaucoup trop cher. Et du coup, il est sûr que... J'essaierai en tout cas de vous en proposer un peu plus. Car c'est normal, les custom amiibo, c'est la hype. Ça fait quand même le taf. Et c'est un peu mon devoir dans les pas shiny de parler de custom amiibo comme ça. Je pense que c'est quand même mon devoir dans les pas shiny de vous parler de custom amiibo et de choses importantes, en tout cas, de vous parler essentiellement de Pokémon et de son univers. Chut, vous dites rien du tout, d'accord, hein. Silence complet. Chut, y'a Louis qui fait dodo. Y'a Louis qui s'est endormi. Chut, faut pas le dire. Voilà. Je vous fais bien entendu confiance pour m'envoyer, bah vous aussi si vous avez des amiibo custom, m'envoyer vos amiibo custom. J'arrive même pas, je sais même pas comment je me suis débrouillé. Hein, il est où le truc? Je n'arrive même pas. En tout cas, je vous fais confiance bien entendu pour m'envoyer vos photos d'amiibo shiny ou customiser, voilà. Alors là, évidemment, c'est n'importe quoi, mais rassurez-vous, j'ai tout prévu. Ah. Je suis démoniaque. Comme vous le voyez, hein, dans les locaux de Gaming Live, ça bosse souvent très dur. Yoli yoli dazé. Parfait. Donc je disais, oui, les amiibo custom, si vous avez des amiibo custom, n'hésitez pas à la tête et le nombre de gens qui ont regardé les Pachani et des koalas qui ont regardé les Pachani. Car c'est vrai, vous êtes toujours 34% de autres à regarder les Pachani. Ça fait plaisir, hein, de savoir que j'ai autant de autres ici. Nouvelle 250e rencontre. Ce qui fait quand même le quart de mille. Oh, puis lui, il est parfait. 40 Crocolam, Pierre Lune et 3 IV avec potentiel inné. Et trop stylé, cette tête-là. Et trop stylé. Mais il est pas shiny. Il est vraiment pas shiny, malheureusement. La Bambi qui fait dodo. Et c'est... Vous savez, vous avez joué probablement à Pokémon Snap. Eh bien, Pokémon Snap, c'est aussi la recherche en photo eh bien, de Pokémon rares. Des Pokémon qui sont cachés, ne sont pas visibles durant très très longtemps. Du coup, c'est normal, absolument normal, de chercher à les avoir... s'il vous plaît, pas de délation. C'est très important que tout ça reste entre nous. Vous savez, j'essaie de vous proposer le meilleur des programmes dans Il est pas shiny. Il est donc très important. Nous sommes 30% de fleurs bi. Il y a vraiment que des trucs bizarres, hein, qui regardent Il est pas shiny. Hein. Je veux pas dire, mais c'est quand même tendu. Hein. Et pendant ce temps-là, Mélofée n'arrive pas. Toujours pas. Donc ça c'est fait, rassurez-vous, Louis sera là en interview plus tard.
Dragon Quest en Europe. On va parler un peu de Dragon Quest en Europe pendant que je cherche. Je sais pas si vous avez entendu les nouvelles, mais en fait, en écoutant Gaijin Dash, ça a été beaucoup plus clair. En fait, Yuji Horii, qui était à la Japan Expo pour présenter non seulement Dragon Quest Heroes, mais peut-être la suite de Dragon Quest, aurait annoncé en fin de conférence, comme un cheveu sur la soupe, que Dragon Quest 7 et 8 verraient les jeux arriver en France. Visiblement, cette annonce s'est faite dans la stupeur des personnes de Square Enix Europe. Et Yuji Horii a été porté par la clameur du public. Puisqu'évidemment, quand t'es à la Japan Expo, tu te retrouves très vite entouré de fans de Dragon Quest. Parce que c'est quand même un peu le public visé. Il est quand même le public visé. Et du coup, il s'est laissé emporter par la foule. Non, si je dis Monsieur Maxi Croc, si jamais vous êtes les deux, vous regardez les Pachanis en coupe, cochez fille, c'est important. Voilà. Et ouais. Et du coup, c'est en fait, l'annonce, à mon avis, n'a rien d'officiel. Mais je pense que Yuji Horii va pousser pour que les jeux sortent chez nous. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Hein. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Parce que je rappelle que les seuls Dragon Quest qui sont sortis chez nous, traduits en français, sont le 4, le 5, le 6 et le 9. Et ce sont tous des épisodes qui sont sortis sur DS. Donc à voir, hein, évidemment. À voir si tout cela se trouve être vrai. Ça serait une excellente nouvelle. C'est qu'en tant que grand fan de la série Dragon Quest, et alors que l'on approche à grands pas de la semaine prochaine, semaine d'une annonce très importante. Oui, le 8, pardon, c'est vrai, le 8. Vous avez raison, le 8. Le 8, oui, vous avez raison, le 8. Vous avez entièrement raison. Pardonnez-moi. Mais après, le 8 est sorti vraiment dans une version remasterisée. Enfin, fini à la piste pour moi. En 50 Hz, avec des menus qui lag. Le jeu est lent as fuck. Mais le jeu est génial, mais... Enfin, il est largement plus agréable à faire en version japonaise. Même si on profite pas des voix. Là, on profitera des voix japonaises dans Dragon Quest 8 sur 3DS, ce qui est plutôt bien. En attendant, il y a pas mal de trucs qui sont bizarres, hein, parce que Nintendo va faire un Nintendo Direct le 15. Là, Capcom vient d'annoncer le fameux Ken dans Street Fighter 5. J'ai les images. On va regarder ça tous ensemble dans Satilipa Shiny. Vous avez l'Evo qui approche à grands pas, Square Enix qui se réveille au niveau de Dragon Quest, Nintendo qui va peut-être faire une annonce assez puissante. Pour teaser des jeux et faire plaisir probablement aux fans de Nintendo et aux autres, parce que c'est vrai que pour le moment c'est chaud. Ouais, il y a la version US en 60 Hz, tout à fait. Avec les menus remappés. Et moi, je suis un mec... De comment? Un Captain Toad 2, ça serait cool. Je suis un mec de... Ah, putain! Finis pas ma phrase, bordel de chiotte! Qu'est-ce que je voulais dire? Bordel de fion! Oui, non, 3, 4... Bon, je suis un mec de Dragon Quest, ça c'est sûr. Oui, je suis un mec de l'interface japonaise de Dragon Quest. Avec le menu épuré et les fenêtres. Et les fenêtres qui s'ajoutent. Les menus ultra détaillés à l'européenne. Je les kiffe moins. Parce que généralement l'interface utilisateur est beaucoup plus lente. Quand on a l'habitude de l'interface japonaise, c'est très rapide de naviguer dans les menus. Et de chercher ce qu'on veut. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même important.
Ok, Mélophée numéro 259. On y croit mort. Voilà. Au moins, ça fait plaisir que ça change un peu de musique. Hein, parce que je pensais en avoir sérieusement marre. Spoil, Lefun va gagner le tournoi de mêlée à l'Evo. Je suis pas sûr, hein, quand même. Je suis vraiment pas sûr. Hein. Ah, visiblement, Nash245 semble avoir des informations. C'est un fait qu'il n'y aura pas de Nintendo Direct. Nash245. Serait... C'est possible, hein. Ah oui, un nouveau Pokémon, j'avoue. Un nouveau Pokémon serait important. En tout cas, Yujiori a vraiment frappé fort en annonçant ça. Et j'espère que ces paroles ne seront pas des paroles en l'air. Vous savez que dans les boîtes japonaises comme Square Enix, le Japon a une grosse puissance pour imposer des choses, eh bien, aux succursales de l'Europe et des États-Unis. Mais, en contrepartie, les process sont très lents. Et à mon avis, quand ils vont voir les coûts de traduction pour Dragon Quest 7, qui est un jeu gigantesque au niveau des dialogues, mais genre gigantesque, hein, eh bien, ça risque de pas leur faire très très plaisir. Après, je pourrais mandater Chocobo Tiger, hein, pour faire la traduction. Je devrais embaucher Chocobo Tiger, traduire tout Dragon Quest 7 par Chocobo Tiger et lui donner 10 000 euros pour ça. Je pense qu'il ferait le meilleur travail de l'histoire. Sur la série. C'est bien simple, hein, pour traduire des choses du japonais au français, faut toujours engager des fans de la série ou des mecs qui connaissent la série et qui sont de bons traducteurs. Ça devrait être la première chose que les boîtes devraient avoir en tête pour ça. Parce que, eh bien, quelqu'un qui connaît bien la série qu'il y a à traduire et qui est fan de l'univers va toujours respecter au maximum la traduction de ce dernier. Et ça, c'est cool. Non. C'est bon. Ça passe. Aïe, 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 aïe. En tout cas, en ce moment sur le chat, ça piffe les dates des Nintendo Direct. Donc je n'ai rien dit. Pas de Nintendo Direct. Notez aussi que ça, c'est une news importante que je dois vous dire. Donc Dragon Quest en Europe, on c'est fait. Dragon Quest en Europe, c'est fait. C'est une news importante que je dois vous dire. Ce soir, nous perdons un élément dans Gaming Live et un élément d'une importance capitale. En effet, notre stagiaire VOD Daniel, qui accompagne notre deuxième stagiaire qui s'appelle Antoine d'ailleurs. C'était pas une connerie. C'est-à-dire qu'on a deux stagiaires, c'est Antoine et Daniel. C'est quand même assez drôle. Et donc Daniel va malheureusement nous quitter à partir de ce soir. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que sans elle, eh bien, il y aurait probablement aucune VOD qui apparaîtrait à temps sur YouTube du Gaming Live. Et qu'actuellement, on se demande comment on va faire pour envoyer les VOD. Donc, avant de former un remplaçant à Daniel, il risque d'y avoir un petit moment de flottement où vous aurez peut-être quelques doutes quant au VOD. Cela dit, je suppose que Louise a son brevet de monteuse. Tu sais monter des VOD, Louise? Bien sûr, dit-elle. Eh bien, Louise s'occupera donc des VOD dès à présent. Je pense que c'est la meilleure chose que nous ayons à faire. Nitro charge. Et il est toujours pas shiny. Non, nous n'embauchons pas. N'essayez pas de faire les mecs et d'essayer de gratter une place. On a un taux de stagiaire autorisé en entreprise. Oh merde. Qu'est-ce que c'est que ça? Normal fait, c'est rondou douche pareil. Alors attendez. Si je fais fuir, je vais casser ma chaîne, donc... c'est pas grave, Rondoudou, même si c'est Rondoudou et que je trouve Rondoudou, je casse pas ma chaîne. Et si j'attrape Rondoudou, c'est pas grave non plus, puisque Rondoudou Shiny, ça m'irait beaucoup. Je le ferais évoluer en gros doudou et ça serait quand même un Shiny 1G complété. Il a pas les yeux verts. Il y en a un qui a les yeux verts, l'autre il a les oreilles vertes. C'est un peu bizarre.
ces images sur le hashtag il est pas shiny. Brevet de monteuse, oui, ça existe, un diplôme de monteur d'état. Bien sûr que ça existe, bien sûr que ça existe. Et depuis que Danielle est diplômée, ben elle va s'en aller trouver un vrai travail dans une vraie entreprise et gagner du vrai argent, hein. C'est-à-dire, bah, pas être stagiaire. l'interview arrive. Louise n'a toujours pas terminé de se maquiller. Même si, bon, j'arrête pas de lui dire qu'elle a pas vraiment besoin de maquillage et d'artifice. Mais vous savez ce que c'est, les femmes. Les apparences. Beaucoup sur les apparences. Mais elle arrive, c'est imminent. En attendant, vous devrez vous contenter d'Iggy. Le petit poussin qui regarde, il est pas shiny. Il est pas pui-pui. Le petit poussin. Oh, il est loin ce mélophé, hein, quand même. Il est très loin. Plus près. Pourquoi est-ce que je tombe toujours sur des mélophées avec trempette? Moi, ça veut rien dire du tout. Bref, on trouvera, je pense, un remplaçant rapidement. Après, c'est vrai que Gaming Live est actuellement frappé par des odieux personnages qui piratent les vidéos de Gaming Live afin de remplir leur chaîne YouTube. Mister MV est d'ailleurs l'objet de ce genre de piratage. Ce qui nous met probablement assez dans la merde, puisque vous savez, comme Mister MV ne fait maintenant plus que des OPSP, eh bien les clients des OPSP ont besoin de ces VOD, et ont besoin que les VOD et les chiffres des VOD soient maîtrisés. Donc quand, eh bien, quelqu'un pirate les OPSP de Hard Rock, eh bien, t'es sérieux là, Frédérico? Retire-moi ça tout de suite, j'ai peur. Je dis pas de conneries. Mais je dis pas de conneries. C'est vrai. Est-ce que tu dis des conneries ou pas? Je suis sûr. Non. Les gens sont là et ils pourront te dire et te certifier qu'aucune bêtise n'a été dite au cours de cette émission. Louis, voilà, bah, regarde, Louise est là et elle dit, mais tu as raison, Verdier, aucune bêtise n'a été prononcée. Aucune. Maintenant, j'ai un problème dans cet épisode d'Il est pas shiny, c'est qu'il paraîtrait... que l'ordre DVD évidemment s'est fait bourrer, mais que les enfants sont en vacances. Du coup, je suis gêné. Parce que disons qu'il est pas shiny, c'est pas spécialement une émission très Peggy 7, quoi. J'ai l'impression qu'il y a une personne avec un turbo de diffus. Note qu'il y a actuellement 110 filles sur le stream. Je pense qu'il est pas shiny a le plus gros taux de spectateurs féminines de Gaming Live. Qu'est-ce que t'en penses, Frédéric Go? Alors j'allais dire un truc horrible, mais je pense que ça sera Trump qui le dira. Mais nous sommes sur internet, monsieur Kemogard. Il tue mes espoirs dans l'os, Frédéric Go. Mais bon, dis-toi que t'as quand même la meilleure des... T'as quand même... C'est vrai qu'au niveau Pokémon, il y a beaucoup de commentatrices et ça va, c'est vraiment des filles, donc ça passe. Bah oui. Il y a l'ami... comment ça s'appelle? Il y a la mimoscopie. La mimoscopie, c'est bien aussi au niveau de League of Legends. Oh, il y a aussi une casseuse de Dota 2 qui est Aleska, ravissante. Aleska et sa copine, ouais. Très bien. Exactement, Aleska. Aleska... Ah, ça, ça doit pas être ça du tout, hein. J'ai tapé au pif. Je suis sincèrement désolé, hein, si je t'ai... Mais non, c'est pas ça. Mais oui, alors, Aleska, c'est bien, mais non, c'est pas ça que je cherchais. Non, c'est pas ça. Tu dois te tromper. Qui était cette rousse? Hein? Je devrais retrouver. Elle regarde un peu, me repassant en pif de temps en temps, bref. Je retrouverai ça. Non, mais c'est les goûts de Frédéric Go. Les goûts de Frédéric Go, vous savez. Les goûts tranquilles, enfoirés, quoi. Sachant que Aleska, c'était juste pour tes goûts à toi, moi. Il y aurait Karaté à la place de Louis, je pense qu'ils n'ont pas trop de goûts. Tout le monde sait que Gaming Live n'a Dieu que pour Louise Rébeillard, de toute façon. Il n'existe... Oh là, j'ai failli faire fuir le Pokémon. Calmons-nous. Arrêtons de raconter des bêtises. Voilà, impeccable. Toujours pas shiny. La rousse, c'est Miss Snow Fox, une allemande. Ouais, mais elle est pas vraiment allemande. C'est ça, Miss Snow Fox, vous êtes sûr?
Allons stalker. Non. Non, non, c'est pas ça du tout. C'est pas ça que je cherche du tout. Non, 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 je cherche pas ça. Je ne cherche absolument pas ça. Je ne retrouve plus les... Mais moi, j'ai une mémoire des noms catastrophiques aussi. Ça qui est terrible avec moi. Aile d'acier, voilà. Le mélo fait pas shiny, donc on le signed. On le signed. Punaise, il y en a qui sont à 907 miamiasmes. Ça, ça donne pas d'espoir, en fait, quand vous me dites des trucs comme ça. Moi, j'aimerais bien qu'il soit shiny, quand même, d'ici la fin de l'émission. C'est pas Angela Merkel non plus. C'est pas Angela Merkel, non. Z-bête. C'est pas du tout Angela Merkel. Mais je vais retrouver. Je vais retrouver d'ici la fin des pages shiny, c'est promis. Je retrouverai. Ça n'est pas Anagoun, ça n'est pas Mehdi. Ça n'est pas Mehdi. C'est vrai qu'il y a Mehdi hein, aussi. Mehdi. Mehdi, il est stylé hein, quand même quand il regarde bien. Il est vraiment, vraiment stylé. Ya aussi, il est très stylé. Ah, je me souviens que j'ai quand même suivi les casteurs de. Enfin, les mecs de jeuxvideo.com sur le tard hein, quand j'y pense. Vraiment sur le tard. Hein. Je me suis abonné à eux. Non, bah écoutez, je ne trouve pas. De toute façon, ça n'a que peu d'importance. C'est moins important que de chasser des shiny. Et de parler de Ken bientôt. Attaque. Aile d'acier. Aile d'acier. Ça me perturbe parce que je déteste en fait chercher un nom et ne pas le retrouver. C'est un truc, je sais pas si ça vous le fait à vous aussi, mais c'est la pire chose qui soit chez moi. J'ai pas la mémoire des noms et quand je suis... Tu sais, je connais un nom mais j'arrive pas à mettre la main dessus. Limite je me deviens fou quoi. Et je suis là et je me demande ah, c'est pas possible, qu'est-ce que c'est. Mais qu'est-ce que c'est. Pourquoi est-ce que je retrouve pas le nom. C'est quand même pas dur de retrouver un nom. Bah si, moi c'est handicap international. Ah c'est horrible. C'est horrible. Oh là là. Non bah non. Là je suis en train de fouiller Twitter, vous voyez. En train de parcourir la timeline Twitter et je ne retrouve plus. Je ne retrouve plus les tweets. Je ne retrouve plus. Impossible de mettre la main dessus. Je retrouve toute la team fils de pute, il n'y a aucun problème. Par contre, eh bien, je ne retrouve pas le nom de cette tweetos. Ouais, c'est peine perdue là, ça fait 36 jours, hein, c'est peine perdue, je retrouverai jamais. Je retrouverai jamais, je suis zéro. J'ai plus qu'à aller me suicider. Me petit suicider. Gasquet, alors attention, news. Gasquet éliminé par Djokovic, 7-6-6-2-6-2. On y a cru, hein. On y a vraiment cru. Je me deviens fou. Je me deviens vraiment fou. Et oui. Se devenir. Il se devient fou. Tu te deviens fou. Il me devient fou. Je me deviens fou. Je me deviens fou. Nous nous devenons fous. Vous vous devenez fous. Ils se deviennent fous. Voilà, ça marche. Ça marche beaucoup. Ouais, c'est une grosse fessée. Hein. C'est une très très grosse fessée. Malheureusement, il n'y a rien à faire. Et pendant ce temps, bah, les hamsters continuent de regarder les pas shiny. Sachant que les votes continuent. On est à 1000 votes. Et sur 1000 votes, on a donc 111 femmes qui regardent il est pas shiny.
Ce qui est parfait. Ne changez rien du tout. Voilà, 111, moi c'est un chiffre qui me convient parfaitement. Parfaitement. 111, il n'y a pas plus parfait que 111 quand tu regardes bien. Ouais, je suis confusé. Je suis vraiment confusé, je ne retrouve pas. Je suis sûr que Trunks y connaît. Je vais demander à Trunks. Je vais demander à Trunks. Où est Trunks? Trunks de Gameblog. Où est Trunks de Gameblog? Trunks. Est-ce que Cassetron est connecté? Plop. Je vais faire plop. Il va retrouver lui. Trunks, c'est un mec qui retrouve. Par contre, je crois qu'il n'est pas connecté. Les 111 dalmatiens. Oui, les 111 dalmatiens, tout à fait. Ah, 111. Mais regardez, hein, 111. Hein. 111, c'est parfait. C'est tellement parfait. Vol, pas vol, vol, pas vol, vol, pas vol, aile d'acier. Ne vous en faites pas, Louise, c'est imminent. Et photomontage de Ken en Astérix. Oui, on va en parler, hein. On va en parler, bien entendu. De Ken. Car Ken faisait déjà débat lorsqu'il est sorti en... Ah, 112 maintenant, vous m'avez tout baisé. Fait chier. Ken avait fait déjà débat lorsque la première bêta de Street Fighter 4 était apparue. Ken était dégueulasse. Sa coupe de cheveux, c'était tellement un Playmobil. Mais après, Ken, c'est Ken. Hein. Ça reste un... le kéké ultime. Faut quand même le savoir. Et ça, c'est important. Et du coup... Et du coup, c'est vrai que... Bah, il a l'air d'avoir une sale tronche, hein. Faut être honnête avec ce... Faut être quand même un peu honnête, hein. Quand vous regardez la tronche de Ken, c'est pas top. Mais il y a certains angles où il a l'air super cool. Et en tout cas, on va le voir bientôt. Son gameplay est aussi très cool. Donc si vous n'avez pas eu d'idée... Qu'est-ce que j'ai fait? Oui. Bah, c'est Banana Ken, c'est vrai que c'est Banana Ken. Non mais vous allez voir, on va faire quelques arrêts sur image et tout. Vous allez voir qu'il y a quand même il y a quand même des efforts. Mais après, je vous rassure, il n'y a pas que Ken qui a subi ce genre de déboire là. Il y a beaucoup de persos qui ont subi ce genre de truc. Alors désolé, hein, si ça lag, c'est normal. Je demande peut-être un peu beaucoup au PC là actuellement. Voilà, impeccable. Vous n'êtes pas censé voir ça. Nickel. Donc, je vais passer évidemment le trailer d'introduction de Ken. Pour eh bien, que vous donniez votre avis. Et je vous expliquerai un peu son gameplay après. Même si j'aurai le temps de revenir dans mon passant en pif la semaine prochaine. C'est des trucs qui font l'actualité quand même. Puis je vous ai promis dans le truc. Donc Wimbledon, c'est terminé. Défaite de Gaël Monfils. Donc oui, voilà, c'est fait. Donc, on doit parler donc de Dragon Ball Super, de l'interview de Louise et de Game Cult qui passe au premium. Ce qui implique forcément de parler de Jay. C'est très important. Donc rassurez-vous, on a encore deux parties. Je pensais pas qu'on effleurerait tous ces sujets aussi vite. Cela dit, c'est plutôt cool. Bon là, 1000 votes, c'est largement suffisant pour se faire une idée. Vous êtes 11%. Deux spectateurs féminines. Ce qui est très bien. Ce qui est très bien. Et je vous en remercie. Ce qui est un bon taux. Ce qui n'est pas encore assez. Mais ce qui est un beau taux. What's wrong? Oui, my boobs. Eh oui. C'est ça. C'est exactement ça. Du coup, on parlera de Ken qui ressemble à Rugal. Qui ressemble au personnage là de Martial Master, le curé. Il n'y a pas d'histoire avec Gamekult. Gamekult vient de faire un choix éditorial intéressant. J'aimerais avoir votre avis sur ce choix éditorial, c'est tout. Point final, et je vous donnerai le mien. Je vous donnerai le mien. Non, toujours pas de Mélo Fait Shiny. Hein. On est à 277 actuellement.
J'ai regardé la vidéo de gameplay de Ken, je crois qu'il a gardé son Shinryuken. En fait, je ne crois pas. Son Shoryu EX se transforme en Shoryu Repa. Ce qui est une volonté en fait de faire des EX, des mini super. Je pense. Ma vulgarité émue les filles, oui, ça doit être ça. Ma vulgarité, voilà, les enfants. Éloignez les femmes et les enfants d'abord. Je vous en supplie, de il est pas shiny. Reculez-vous, poussez-vous, ne regardez pas ça, ne venez pas vous abrutir devant une émission pareille. Par contre, là, il est parfait. Parfait, vœu, garde ami, 3 IV, s'il pouvait être shiny, ce serait tellement... Aïe, aïe, aïe. Il est tellement parfait. Tellement parfait. Oh mon dieu, on m'envoie des horreurs en plus. Christina Cordula. Ouais. Non, on parlera de Game Cult après. En plus, je suis sûr qu'il y a des lecteurs de Game Cult. Il y a de tout sur Il est pas shiny. Ça, en fait, c'est ce que m'a fait prendre conscience la Japan Expo. Je crois qu'il y a tout le monde hein, sur Il est pas shiny. Et c'est à la fois sympa, merci à vous, mais à la fois un putain de problème parce que... en fait, je peux tellement avoir des problèmes avec toutes les conneries que je dis. J'espère en tout cas, j'espère sincèrement que je n'ai froissé aucun d'entre vous durant un épisode d'Il est pas shiny. Si jamais vous avez senti eh bien, votre intégrité touchée, ou si vous avez senti blessé ou atteint par un propos absolument odieux que j'aurais tenu durant un épisode d'Il est pas shiny, sachez que je m'excuse. Et que c'était pas de ma faute, j'ai glissé chef. Mais que ça se reproduira. Comme les Pokémon. Et comme les couples après un épisode d'Il est pas shiny. Je suis désolé d'avoir à toucher à votre sensibilité. Oh, toujours pas shiny, hein, c'est violent. Hein. C'est très très dur hein, quand même d'être trop en retard sur la shinification. Pourquoi est-ce que ça veut pas? Durant un épisode, quand même, je me suis donné 4 heures. Je me suis dit, disons, en 4 heures, j'aurais allé. Oh non, c'est quoi? Oh non, 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 non. Non, alors oh non, 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 non. Là, c'est pour... C'est pour ne pas casser ma chaîne, mais je te préviens, le goéliste est shiny, je t'envoie la console dans la gueule. Hein. Je te préviens, ça m'est déjà arrivé, hein, chercher des débuts quand il y a un goéliste qui s'est pointé, et c'est lui qui t'est shiny, je te préviens que si tu brilles, c'est bon. Impeccable. Ouais. Je te préviens que t'avais plutôt pas intérêt à être shiny. Bon, je vais le rapasser. Parce qu'il y en a marre d'ego et troll. Hein. Il y en a vraiment marre. Hein. Insupportable. Ok, c'est bon. Là, normalement, Mélofée. Voilà, et là il brille. Et là, je le dis, il brille. C'est aussi brillant que un coffre à Versus. Il va briller, c'est sûr. Il ne brille toujours pas. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas, j'ai tout essayé. J'ai vraiment tout essayé. Je vois que vous avez commencé le débat sur presse papier, presse internet avant moi. Hein. Arrêtez-vous, hein. C'est pour la troisième partie. On se réserve ce débat en troisième partie, je vous en supplie. Hein. Il me reste 10 minutes. Ça va être le moment de présenter le trailer de Ken et vous demander votre avis, je pense. Hop.
toujours pas shiny, c'est la base. Mais je ne panique pas car vous savez, au-delà, enfin avant 3 heures de stream, normalement je garde mon calme. Je suis tranquille, je suis comme vous, je suis sain d'esprit, je fais ma petite chasse au shiny, tranquille. Et arrivé à 3 heures à chasser le même shiny devant vous, il arrive souvent que la fin de semaine ait raison de moi et de ma santé mentale. Cela dit, je pense sincèrement que le jeu n'est pas assez méchant pour me faire du mal aujourd'hui. J'ai donc espoir en ceci, réellement espoir. En cet épisode, il n'est pas shiny. Mais le fait, c'est maintenant. C'est comme le changement. C'est maintenant. Tu craques alors qu'on n'a pas un tas les deux heures. Mais non, là je ne craque pas. Je suis justement serein, mentalement très 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 frais. Ah, je suis prêt à discuter de tout ce que vous voulez. Et à vous faire partager mon expérience sur la plupart des choses. La lucidité sera totale. Ok, c'est rien du tout. Maître Denryu demande où est Louise. Elle n'est pas loin, je veux dire, elle continue de se préparer. C'est pas facile, hein. Vous êtes sûrement des hommes, c'est pour ça que vous posez ce genre de questions. Mais sachez que les femmes ont besoin de se sentir belles. Moi aussi d'ailleurs. J'ai besoin de me sentir belle. Avant, il n'est pas shiny, je me fais belle. Et j'espère que mon public me trouvera parfaite à leurs yeux. Je préfère vous dire que si je ne trouve pas de shiny aujourd'hui, c'est pas grave. J'aurai toujours la satisfaction d'être la plus belle de Gaming Live. Voilà. Je ne trouve rien. Je ne trouve toujours rien, Louise, hein, c'est terrible. Hein. J'ai beau être la plus belle, je ne suis pas, malheureusement, très très fort pour trouver des shiny. Mais j'ai déjà un décolleté, tu crois que c'est quoi ça, regarde. C'est un décolleté plongeant, voilà. Comment ça, moyen haut? Mais je l'ai déjà vu hier. On a beaucoup rigolé, pensez à toi hier, d'ailleurs. On avance... Ouais. Ouais, mais en fait, Louise est jalouse. Elle est jalouse, je peux vous le dire qu'elle est jalouse. Parce que, en effet... c'est vrai. Mon sexe à pile est total. Mais... les femmes, de toute façon, sont très jalouses entre elles. 2 heures pour se maquiller, c'est rien du tout, hein, Genius. Hein. Rien du tout, hein. C'est un détail. Un véritable détail. Ken, tu me désoles. Je suis désolé, hein. Si cette imitation a été catastrophique. Oui, je sais, le sorcier malgache, je sais. Je sais, je sais. Je m'insous de ma femme depuis 2 semaines. C'est quoi le taux pour avoir un enfant shiny? Je peux te donner le taux pour avoir un enfant, déjà, de base. Ça dépend si ta femme utilise la pierre stase ou non. Si elle prend sa pierre stase tous les jours, généralement, le taux d'enfant est quasi nul. Mais il existe toujours une chance. Oh là 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 là, c'est mélofé à l'infini. On arrive bientôt à 300, hein, d'ailleurs. 300 mélofés rencontrés bientôt. Je vais m'arrêter à 290 et ensuite on va passer le trailer de Ken. T'as toujours rien. C'est inquiétant. Je m'inquiète un peu, je dois bien vous avouer. Parce que là, c'est mon intégrité qui va être en jeu. Est-ce que ton charme chroma touche à ton pénis? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Sachez, mesdemoiselles, que là où vous êtes le plus belle, c'est sans maquillage.
Donc n'hésitez pas à ne pas utiliser d'artifice. Les hommes adorent la beauté naturelle des femmes. Et d'ailleurs, la plupart du temps, je pense qu'aujourd'hui, on arrive dans un basculement de la société. Et voilà! Et c'est un mec! Je l'ai sans maquillage! Je vous ai dit, vous êtes plus belle, mesdames, sans maquillage! Vous êtes infiniment plus belle sans maquillage! Et c'est prouvé! Bien sûr que c'est prouvé dans ce Les Pachani! Oh là, mon gars! Premier Shiny de cet épisode d'Il est pas Shiny. Et c'est pas le dernier! Je vous dis, c'est pas le dernier! Melo fait Shiny, ah, qu'est-ce qu'il est beau! Juste avant les 300, 290e rencontre! Il est là, face à nous. Ce Melofé niveau 39 attend plus que ma grosse Pokéball pour pouvoir rentrer dedans. Alors, je n'ai qu'une orange League of Legends pour simuler une Pokéball. Mais fermez les yeux et faites comme si, eh bien, vous y croyez à mort. Allez, Melofé, tu es prêt? Brrra ! Rapid Ball avec Coach Critique. Ouais. Ouais, je mets League of Legends. Gagné! Melofé Shiny, Ghetto Dazé. Voilà, mon gars. C'est grâce à Louise, un peu, hein, tout ça, hein, quand même. Hein. C'est grâce à Louise. Faut quand même dire la vérité. Et d'ailleurs, je tiens à remercier tout particulièrement le coffre à Versus. Qui m'a beaucoup aidé dans... Alors, j'avais promis que j'appellerais un Melofé femelle, eh bien, Namour, hein, pour rendre hommage à Mélodie Guédon. Mais c'est un mâle. Et du coup, les mâles, pour les mâles, ça fait mal. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, ça sera sans maquillage. Afin, eh bien, de passer un message... À toutes, eh bien, c'est 11% de femmes qui regardent Il est pas Shiny chaque semaine. Sans maquillage, vous êtes tellement plus belle. Je sais pas si ça rentre, hein. Je ne sais pas si ça rentre, hein. Oh, ça rentre carrément pas, hein. Ça rentre carrément pas. Sans maquillage. Alors, sans maquillage, je peux gratter une lettre en mettant 100 en chiffres. Ou 100 SEN. Ça rentre pas, hein, sans maquillage. Hein. Comment est-ce que je peux écrire ça? Comment on pourrait écrire ce nom de truc? No make-up! Putain, les mecs, c'est parfait, no make-up! Ah là 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 là. Ce chat est extraordinaire. C'est pour ça que je l'aime. C'est pour ça que je l'aime autant. No make-up. Hashtag no make-up, voilà! Sans maquillage, vous êtes tellement mieux. Et ce Shiny est là pour le prouver. Ça fait plaisir. Hop, on retweet évidemment. Il est enfin apparu. Ça fait du bien quand même d'attraper des Shiny dans les pas Shiny, mine de rien. Ah, c'est bon ça. C'est bon. Bien, après la pub, on décidera de savoir si on part vers un nouveau Shiny en Avidex débugant. Ou si on fait... autre chose, rétropédalage avec sans maquillage écrit comme ça, avec avec un autre Pokémon de l'ingé. En tout cas, Melofé Shiny s'est attrapé. Bien, je vous ai teasé assez longtemps, il reste une minute. On va passer donc le trailer de Ken qui va nous permettre d'en parler justement juste après El Pozo. Je vous mets le trailer là, je coupe la musique des Pokéfions, parfait, je monte un peu le son, et c'est parti, trailer de Ken pour fêter ça. Ouh!
Oula, 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 oula. Oh là là là, le bordel. C'est stylé hein, quand même. Hein. Alors évidemment, sur des images fixes, ça ne rend pas top top, mais on a quand même un truc. Et attention, surprise. Mais qu'est-ce que c'est? Oh là, oh là, oh là, de quoi? De quoi? Hop, enlevez-moi les images de la PlayStation 4, merci. Voilà, on va se terminer sur cette image de Ken. Voilà, le nouveau look de Ken. Donc, en quoi ça consiste? C'est simple. Il a retiré le haut de son kimono et il a mis un chouchou, ce qui est très original, en effet. Regardez-le, on commence à le voir ici. Il a quand même une bonne tête. Après, les cheveux font encore très plastoc, je vous l'accorde. Mais la tronche est pas mal. Ouais. En fait, c'est bizarre. S'il ferme les yeux, ça donne des choses assez bizarres. On va passer ferme par... Voilà. Là, sur ces images-là, en fermant les yeux... Voilà, attends, c'est ici sur cette image. Il a quand même une sale gueule, c'est vrai. Mais là, une sale gueule, encore. Mais si on passe et qu'on le met en mode Oda normal, si j'arrive à retrouver enfin les bonnes frames, voilà, là, vous voyez, ici, là, ça passe quand il commence à ouvrir la bouche. Il a l'air stylé, il est complètement stylé. Bon, après, les cheveux, faut faire quelque chose, hein, c'est évident. Regardez, là, il commence à fermer les yeux, à se mettre en pose de combat. Voilà. Et puis on retrouve Ken, hein, y a pas de problème, hein. C'est lui, hein. Il a juste mis un chouchou et il a retiré le haut de son kimono. Voilà, Ken dans Street Fighter V, on en parle juste après la pub. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que l'on a vu à la fin de ce trailer? Quelques vidéos de gameplay aussi pour fêter eh ben, l'apparition du Shiny. Et enfin, le Stropol pour décider de quel Pokémon je vais aller chasser. Ensuite, pub, et on se retrouve tout de suite pour parler de tout ça dans les pages Shiny. Restez avec nous. Bah, 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 bah.